Et bonjour à toutes les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette toute nouvelle actualité sur la Battle League Beyblade 2024. En effet, aujourd'hui, il s'agit de l'actualité numéro 12 et je vais donc vous présenter trois magasins avec ces superbes tournois. Nous étions donc tout d'abord le lundi 29 mai au Cultura de Gaspelsheim. Ensuite, le mardi 30 mai, nous étions à la Grande Récré de Moulins-les-Metz. Et le 2 mai, nous étions simplement au Jeu Club de Soissons. Donc, comme d'habitude, vous avez mis une ambiance de dingue, donc je tenais à remercier les Bladers, donc ces super participants, ainsi que les parents et les magasins. Donc, je vais pas perdre de temps, je vais tout de suite vous laisser regarder la suite de la vidéo et nous on se retrouve tout de suite après. Faites-vous le check les garçons, je n'ai pas le temps de vérifier. Faites-vous le check tous les deux. Voilà, c'est bien les garçons. Alors les garçons, est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Ouais. Est-ce que tu penses que tu vas gagner? Je sais pas, mes parents que je vais gagner. Ah ouais, ça c'est bien. Et toi, est-ce que tu penses que tu vas gagner? Oui. Du coup, c'est bon, vous êtes confiants avec vos combos? Ouais. Sûr? Sûr, oui. Allez, check tous les deux. Et que le meilleur gagne. Allez-y, c'est très bien, et moi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, hyper vitesse. Allez, c'est parti. Que le meilleur gagne. Super. Là, comme on va avoir deux toupies, à mon avis, d'ailleurs, il va jouer la version à gauche. C'est un carnage, clip pas modifié. Attention. Allez, tout va sur là, vous ne touchez pas les toupies, vous attendez mon top, on attend. Vous n'êtes pas d'égalité, sinon on fera les toupies. Oh, premier point, oh yaya yeah. 3, 2, 1, hyper vitesse. Super, lancez au top des deux joueurs. Allez, maintenant, petit combat d'endurance entre les deux toupies. Plusieurs points à faire. Alors, est-ce que Red Carnage va marquer son premier point ou yaya le second? Donc là, pour rien, on va toucher pas les toupies pour le moment. Deux toupies d'endurance extrêmement fortes. Et deuxième point. Ouh yaya. 3, 2, 1, hyper vitesse. Super. Oula, je crois que c'est bon. Ouais, pareil, j'avais peur pour la toupie de Red Carnage. Mais ça va, c'est bon. Mais il n'y a pas un nouveau non plus, lui. Hein. Ouais, mais c'est un peu plus. Encore, si vous aviez eu tous les deux le tupo, justement le lanceur de la SKV, ça aurait été pas pareil. Ah, on touche à rien. Oh, troisième point, fouillaya. Et en effet, vous avez vu, ça c'est pas encore grand chose là. 3, 2, 1, hyper vitesse, voilà, super. Oh, yaya, par l'équilibre. Non, en tout cas, vous êtes. Ça commence à faiblir des deux côtés. Attention. Oh, ça vacille. Ça va être pour se faire des beaucoup. Et là, au point, ça a l'air de bien tenir le coup. Oh là là. Quatrième point. Allez, tu vas soulever maintenant. 3, 2, 1, hyper vitesse. Thank you.
le match. Où est-ce que Red Carnage va remonter? Attention. On touche à rien. Et Red, Yaya, pardon, gagne le match. Bravo, faites-vous un check tous les deux. Magnifique. Quel match. Bonjour, est-ce que tu peux donner ton nom de blader, s'il te plaît? Red Carnage. Et tu as quel âge, s'il te plaît? 12. Et alors, comment ça s'est passé pour toi, le tournoi? C'était dur, la finale, mais sinon, tout le monde a bien joué. Ah, bah c'est bien. Donc, t'as bien aimé l'état d'esprit qu'il y a eu? Ouais. Ah, bah bravo. En tout cas, moi, je te félicite pour ta deuxième place. T'as pas démérité, t'as très très bien joué. Merci. Donc, franchement, bah, bravo à toi. Et on se retrouve, du coup, à Paris en septembre. Ok. Check. Super champion. Super. Alors, bonjour. Est-ce que tu peux me donner ton nom de blader, s'il te plaît? Yaya. Et tu as quel âge? 12 ans et demi. Et alors, comment ça s'est passé ton tournoi pour toi? C'était bien. Il y avait beaucoup de... De blader, voilà. Ouais. Et je suis content d'avoir gagné. Bah, en tout cas, tu l'as bien mérité, ta première place. Et franchement, t'as vachement assuré. Et puis, bizarrement, t'as un bon état d'esprit. Donc, félicitations à toi pour ta première place. On se retrouve à Paris. Merci. Le check. Super. À bientôt, Yaya. Ah, ça y est. Donc celui qui perd, il fait la vaisselle, c'est ça? Ouais. D'accord. Et premier point pour un Saïga. 3, 2, 1, il perd la vitesse. Ah, t'as fait un peu trop tôt. Et toi, t'as lâché tout quand t'as fait exprès. Allez, attention, ça va tailler doucement. Oh, ça tape pas. En plus, il peut gagner le premier point. Enfin, du moins, le deuxième pour Gansaiga ou le premier point pour Minaiga. Oh, deuxième point pour Gansaiga. 3, 2, 1, hyper vite. Voilà, c'est bien. Allez, là maintenant, je vais voir le carreau. Là, spécial complet. Une rotation à gauche pour la rouge et la rotation à droite pour la bleue. Allez, fin de rotation, on y arrive. Et bravo, faites-vous un check tous les deux. C'est très bien. 3 points. Et bonjour, est-ce que tu peux me donner ton nom de blader, s'il te plaît? Minaiga. Et tu as quel âge, s'il te plaît? 10 ans. 10 ans. Et alors, comment ça s'est passé, le tournoi? C'était difficile, facile? C'était bien, mais et j'espère ça. Que le tournoi... Après, il sera bien avec Emmanuel. Ah, tu vas voir, ça sera plutôt bien, ça sera super. Ouais. Mais en tout cas, félicitations à toi pour ta qualification. On se retrouve à Paris. Merci. Avec plaisir. Ciao. Et bonjour à toi. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner ton nom de blader, s'il te plaît? Moi, c'est Gangsta Ega. Et tu as quel âge? J'ai 14 ans. Oh, donc c'est potentiellement ton dernier tournoi alors? Oui. Bon, alors, et comment s'est passé ton tournoi pour toi? Très bien. Franchement, j'ai adoré. Et... Ça va? Cool. Donc, t'as confiance avec tes combos? Oui. Ouais, je les ai remarqués, ils étaient vraiment très intéressants. Merci. En tout cas, félicitations à toi pour ta première place et on te retrouve à Paris en septembre. Merci. Salut Gangsta Ega. Salut. Ciao. Hyper vitesse. Très bien. Essayez de lancer en même temps les garçons. Oh le KO. Oh le KO. Hyper vitesse. Voilà. C'est bon. Ouais, ça tape. Hey, une remontada, c'est bien. 2, 3, 2, 1, hyper vite. C'est bien. Oh, on a fait la sortie. Et un KO. Oh là là. On a fait la sortie. Et un KO. Oh là là.
check les garçons, le petit check, voilà, très important. 3, 2, 1, hyper vite. Oh, ça c'est beau là. J'ai vu pendant l'entraînement que sa technique elle est forte sur les sorties d'arrêt. Ah bon, voilà mon avis la sortie. Je crois que ça va être terminé pour les sorties. Et quand tu vois ce que c'est pareil, je vais reprendre le téléphone parce que là, à mon avis, il va y avoir un petit peu de style. Allez, hop, on filme là pour être sûr qu'il y a une égalité ou qu'il y a une qui prend un avantage sur l'autre, on touche à rien. Oh, mais là. J'ai même cru qu'il allait gagner. Eh, mais ça se voit pas que là, tout va se jouer sur les lancers, les garçons. Oui. 3, 2, 1, hyper vitesse. Super. Deuxième point. 3, 2, 1, hyper Michel. Super. Allez, attention, tu peux lancer. Alors normalement ça devrait absorber. Oh là, ça commence à faiblir. Oh là là. Et troisième point, faites-vous le check tous les deux. Je vais donc appeler le second du tournoi, que vous le félicitez, il s'appelle Galaxy de Tron. Vas-y, je t'en prie, viens me voir mon grand. Alors tu as ton diplôme, tiens, voilà. Donc tu as ton diplôme pour la qualification pour venir à Paris en septembre. Et tu vas pouvoir choisir une de ces soucis. Alors est-ce que tu veux la Z-Fruit Night ou la Twister Pandora? Et voilà, ouais, ça marche. Voilà pour toi mon grand, félicitations. Attends, on va juste prendre une petite photo. Et bonjour, est-ce que tu peux me donner ton nom de blader s'il te plaît? Galaxy de Tron. Et tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et alors comment ça s'est passé le tournoi pour toi? Ça s'est bien passé, j'ai eu plus de peur que de mal. Et à la fin, j'avoue que quand pour le dernier combat entre les deux pour savoir qui est deuxième, j'ai beaucoup stressé. Ouais mais franchement t'as bien assuré, regarde le combo était excellent et tu t'en es très très bien sorti. Donc félicitations à toi en tout cas pour ta place et on se retrouve à Paris. Merci. Fais le check. Ciao. Et donc, vous pouvez applaudir le premier du tournoi, il s'agit de Kélan. Bravo à toi, c'est très bien. Du coup, bravo à tes KO de Paris, c'était incroyable. Du coup, tu as ton petit diplôme pour venir à Paris. Et tu peux choisir entre là, alors la Flame Pandora ou la Ambush Basilis. Laquelle tu veux. Celle-là. Super, on va prendre juste une petite photo. Et bonjour, est-ce que tu peux me donner ton nom de blader, s'il te plaît? Kélan. Et tu as quel âge, s'il te plaît? 8 ans. Wow. Et alors, comment ça s'est passé le tournoi pour toi? Ça s'est passé très bien. Ouais, ça va, c'était pas trop dur? Oui. Bah, en tout cas, tu en es très très bien sorti, moi je trouve. T'as des super combos, dis donc. Mm-hmm. Et tu nous as fait des KO explosifs hallucinants. Vraiment, très content de toi. Bah, en tout cas, je te remercie et je te félicite pour ta première place. Et on se retrouve à Paris. Ciao, Kélan. Et voilà les amis, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, c'est très important afin que vous soyez averti dès que je sors une vidéo. Et nous, on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour l'actualité numéro 13. Donc je vous dis à très bientôt les bladers, salut à tous.